Salut tout le monde, et nous voici pour l'ultime vidéo de ce Wolfou sur Still Life. Donc oui, là, cette fois-ci, hein, ça sera la dernière. On va bien s'amuser avec. Donc, Pas besoin de ça. La tasse du chef, bah. Nous allons chercher déjà ce dossier. Merde, sur Mac il faut un mot de passe, je vais devoir descendre directement aux archives. Bon, ben le problème c'est que pour descendre aux archives, il faut une clé. Clé qui se trouve dans ce coffre-fort. C'est un scanner digital. Il me faut les empreintes de Todd. Et donc ben il faut aussi des empreintes. Bon. Où peut-on trouver des empreintes? Sur un clavier? Ouais. Sur une tasse à café, beaucoup mieux. On va récupérer aussi ce petit truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, un taser. Ça va être utile. Et donc, maintenant, on va se diriger sur l'établi pour récupérer les empreintes. Donc, nous avons notre tasse. Ça ne marchera jamais. Faut d'abord ouvrir. Voilà. Voilà, on fait tourner la tasse. Oh, une belle empreinte ici. Ce n'est pas fait pour ça. En voilà de belles empreintes. Et voilà, nous avons nos empreintes. Maintenant. Alors, sincèrement, je ne sais pas si ça peut fonctionner. Franchement, je ne pense pas. Mais pour le jeu, il fallait bien faire quelque chose. Et couper un doigt, c'est pas trop ça. Donc là, ça sera... la méthode qui paraît absurde. Et donc nous récupérons la clé pour descendre au sous-sol et il n'y a rien d'autre. Et on va arriver en fait à une énigme que beaucoup trouvent difficile. Moi je l'ai pas trouvé très compliqué. Hein, parce qu'en fait si vous allez sur les forums, sur différents forums sur Still Life, bah, vous allez voir que beaucoup ont galéré sur l'énigme que vous allez voir. Parce que là, cette fois-ci, elle demande un peu de rapidité sur les touches. Bon, s'ils veulent. Donc, pour l'instant, il faut déjà accéder à l'intérieur. Cette porte mène à la salle des démineurs. Elle est verrouillée par un système électronique. Peut-être qu'en provoquant un court-circuit... Bon, on va déjà regarder ça. Donc, on va utiliser notre tournevis pour ouvrir. Maintenant que c'est ouvert, eh ben on utilise le taser. Bon, il n'y a que dans les jeux vidéo et les films que ça marche. Parce que je pense pas que dans la réalité ça puisse fonctionner. Mais bon, on s'en fout. Le principal, c'était que ça fonctionne. Donc là, encore une fois, on aura besoin du tournevis. Sinon, en fait, si vous... Attendez. Le mieux, c'est quand c'est MacPherson qui essaie de le faire avec les doigts. Je n'enlève pas ça avec mes ongles, c'est défaut. Voilà, donc c'est assez drôle. Et donc, à la place, on va utiliser le tournevis. Voilà. Maintenant, on se dirige vers la console. Et on envoie une petite, un petit robot des mineurs. Et, pas ce petit... Donc là, petite énigme. Hein. La première phase, elle est très facile. Donc là, avant pour avant. Hein. Même bien compliqué. Là, il suffit. Voilà. Il suffisait d'ouvrir la porte. Donc là, la porte, une fois ouverte. Il nous faut maintenant quelque chose. Il faut que j'aille récupérer un extincteur. Oui, parce qu'en fait, il y a des faisceaux laser. Mais les faisceaux laser, on ne les voit pas. Le seul moyen pour les voir, ben, ce sera d'utiliser un extincteur. Extincteur qu'on trouve au niveau du garage, si vous vous souvenez bien. Il se trouve juste là, en dessous du B1.
Voilà. Donc, on redescend tout en bas. Oui, j'aime bien faire des pléonasmes. Descendre en bas, monter en haut. Mais j'aime aussi descendre, monter en bas. Je sais. C'était très mauvais. Mais bon, c'est la réalité. Les bas, c'est bien. Bon, moi, j'en porte pas personnellement, mais... C'est très beau sur une fille. Une femme, plutôt. Donc là, on voit maintenant les faisceaux laser qu'il va falloir passer avec notre petit robot. Et là, ça, par contre, ça demande un peu de réflexion et de rapidité pour certains passages, parce que les faisceaux laser bougent et donc tout est en temps réel. La maniabilité n'aide pas trop, mais bon, c'est pas compliqué, hein, c'est... Franchement, si vous avez déjà joué à un FPS dans votre vie, ça devrait pas trop en demander. Donc, alors, on va passer au milieu. Bon, j'ai envie. Donc, vous attendez. Et on y va. Voilà. Maintenant, on se tourne. Et nous allons contre ce mur. Donc... Ici, regardez le laser contre le mur. Regardez bien tout ce qu'il fait. Donc, une fois qu'il sera passé, voilà, on se dépêche. Voilà. Rien de bien compliqué jusque-là. Donc là, il va falloir se dépêcher un petit peu. Oups, j'ai été un peu trop loin. Bon, c'est pas grave. On recommence. On a le robot illimité, donc... Le seul truc, c'est que vous pouvez vous prendre la tête pendant des heures dessus avant de réussir à passer. Et là, j'ai oublié qu'il fallait aller... Qu'il fallait pas aller plus trop loin. C'est pas grave. Attendre un peu et on y va. Voilà, on repasse ici. Donc là, on attend le passage. Voilà. Ici, on va attendre que ce laser soit passé. Trompé, il fallait remonter déjà sur le plafond. Bon, deux erreurs d'affilée, c'est pas génial, Cyril. Tu dois te dépêcher un peu. Allez, mon petit Raven premier, on va y arriver. Donc, en fait, chaque fois que vous appuyez, ça avance d'une case. Hein. Donc c'est pour ça, là vous appuyez une fois, vous appuyez une deuxième fois, ouf, j'ai eu chaud au miche. Là j'ai eu un tout petit peu chaud aux fesses. Oh là là, je me suis planté, j'ai pas été... Ouf. Oh là, PGM moi je dis. Ah mais... J'essaie d'aller trop vite. C'est la vidéo, la magie de la vidéo. Quand je n'enregistre pas, j'y arrive du premier coup, là, je galère. Alors que je sais par où il faut passer. C'est ça le pire. On va attendre. Et on y va.
s'est passé là? Attends, là j'en reviens pas. Pourtant c'est par là qu'il faut passer. Je ne peux pas en utiliser plusieurs à la fois. Ah là j'y comprends plus rien là. Le chemin, je vous garantis, c'est par là. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais peut-être un peu trop vite aussi. Oh non! Tout ça parce que je me suis trompé de direction. Ça, c'est vrai que les directions un peu sont un peu mal foutues. Parce que des fois, on a du mal à savoir quand est-ce qu'on va tourner à droite, quand est-ce qu'on doit tourner à gauche. Et surtout, ben, vu que... on voit mal le robot là où il est, bon... Cessons de nous trouver des excuses et allons-y. Qu'est-ce que je fous maintenant, ça y est, je me trompe de... Quel boulet. Je fais mon boulet aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, on fait plus d'erreurs. Par là... Que le faisceau laser revienne, on avance, on attend celui-là, on attend, et on avance, voilà. Et voilà, nous sommes arrivés, donc ici. On se retrouve une nouvelle fois au plafond. Et notre but, ben, c'est d'aller ici. Et je crois, ben, il faut aller tout droit en fait. Et voilà. C'était tout simple, hein, je vous l'avais dit. J'ai juste fait une petite erreur. Une toute petite erreur. Mais bon, rien de bien compliqué, quoi. Rien ne justifie, justement, toutes les demandes de sauvegarde après ça. Voilà. Et voici les archives du FBI. Sympa. J'aime bien. Donc, nous faisons nos recherches. Donc, recherche sur les mots-clés Ackerman et éventreur de Perlovka. Fichier introuvable. Effacé en 32. Ça sent pas bon. Ouais, ça commence même à sentir très mauvais. Pas mal, pour l'instant ils sont tous effacés. Ouais, non, on a peu de chances de récupérer quoi que ce soit. Ah, non. On a réussi. Un fichier manquant emprunté par Gustav MacPherson. Avant la destruction de tous les autres dossiers. Ça c'est bien. Maintenant faut savoir où il est.
documents que mon grand-père a volés, je me demande où ils peuvent être. MacPherson ! MacPherson, j'attends vos explications. Quoi encore, Browning ? Me prenez pas pour un con, MacPherson. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de descendre. Écoutez, moi je fais avancer les choses au lieu de rester posé sur mon cul à attendre que ça vienne tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, ça c'est votre boulot, hein. Profiler des tueurs pour essayer de deviner ce qu'ils vont faire. Vous n'êtes pas censé les poursuivre en 4x4 dans des ruelles. Je crois que vous regardez trop la télé, MacPherson. Et dites-moi un peu, qui va payer pour l'équipement que vous avez démoli en bas ? Oh mais putain, envoyez-moi la facture si c'est ça ! Vous me laissez pas le choix. Vous êtes suspendu. Et vous répondrez de vos actes devant la commission disciplinaire. C'est pas la peine. Je démissionne. Vous renoncez. Ça m'étonne pas d'une sale petite bourge comme vous. Si on ne vous passe pas tous vos caprices, vous renoncez. Je vous emmerde, Browning. Vous me connaissez même pas. Peut-être, mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Oh mais si! Sinon une certaine liste de sénateurs et de hauts responsables pourrait bien être rendue publique. Une liste des clients d'un certain club SM. Oh mais au fait, il n'y aurait pas votre nom dessus? Comment osez-vous? Foutez-moi la paix, Browning, ou je vous donne en pâture à la presse. À propos, vous êtes marié? Espèce de petite pute. Oui, mais trop cher pour vous, Browning. Et voilà, nous avons réussi. Rien du tout, en fait. On n'a rien trouvé, maintenant, ben, il faut juste essayer de trouver le fichier que le grand-père de Vic a réussi à voler au FBI. Et pour ça, ben, il semblerait assez logique qu'il soit dans la maison familiale. Alors allons faire un petit tour. Et donc chez Pat, c'est où ça ? Alors avant toute chose, on va récupérer un ustensile bien pratique. On voit quasiment pas, de toute façon, regardez là, pour voir ce scalpel, franchement. Un cutter ne me servirait pas à grand chose pour le moment. Oh merde, je peux toujours pas le prendre. Bon, on verra après. Bon, ça sera après, alors qu'il faudra descendre le chercher. Donc là, nous allons cette fois-ci dans la chambre du fond. Dans la pièce du fond, seul endroit où nous pouvons voir quelque chose. Et donc... Oh bah tiens, une bosse. Il y a comme une bosse là. Je dois trouver de quoi faire une entaille sans trop abîmer la peinture. Et bah maintenant, on sait ce qu'il nous faut, aller chercher le cutter. Bon d'accord, il y a certaines actions qu'il faut faire dans l'ordre. Oh, c'est comme dans énormément de point and click hein, qu'on retrouve ça. Donc, on récupère le cutter. Et après, une fois que l'affaire sera résolue, ça fera... Chouette programme. Un shot de vodka, un verre de bon vin rouge et un bain chaud. Bon, ce sera pour plus tard. Voilà, j'adore son programme. Et donc, bah maintenant, on va récupérer le dossier de Gustave MacPherson au premier étage. Donc là, il y a le père qui dort. Hein. Papa a l'air de dormir. On l'entend ronfler même, si vous faites un peu attention. L'une des peintures de mon grand-père qui date de son passage à Paris, j'imagine. Bon, on va utiliser
le cutter. Et voilà. Je vivais un cauchemar. Les souffrances d'Ida s'achevaient, mais les miennes ne faisaient que commencer. J'errais dans les rues, fou de chagrin. Pourquoi n'avais-je pas pu la protéger? Et si j'avais refusé cette affaire? Mais la douce voix de Milena m'avait ramené à la raison. Elle a suggéré qu'on se cache quelque part, car la police était certainement à ma recherche. Nous étions en sécurité chez Vladana, mais nous ne pouvions pas nous attarder. Nous avions tous nos raisons de quitter Prague. En ce qui me concerne, je voulais faire payer ce salopard. Nous avons quitté Prague sur un petit bateau et des amis de Roman nous ont conduits dans une autre ville. De là, nous avons pris le train pour Le Havre en France. Nous y avons acheté 4 billets pour New York. L'Amérique avait bien changé depuis mon départ. La pauvreté était au plus haut et l'économie au plus bas. Mais nous avons pu nous en sortir grâce à mes relations. Et puis j'ai reçu ceci. Un article y évoquait une série de meurtres à Chicago qui ressemblaient fort à ceux de Prague. J'appelais les autorités de Chicago, mais ils voulaient plus de preuves. Ce qui ne les a pas empêchés d'interroger Herbert Ackermann. Mais celui-ci disposait d'un argument de poids, l'argent, et en grande quantité. Il a ainsi sauvé son nom, mais n'a pu empêcher son fils d'être placé dans un asile. Craignant d'être accusé, je me suis introduit dans leur bureau pour trouver des documents qui pourraient me protéger. J'y ai trouvé la confession écrite d'Ackermann qui relatait l'histoire de son fils. Ce salopard est là où il mérite d'être, à l'asile. On m'a dit qu'ensuite, ils étaient partis vers l'ouest. Plus tard, un policier de Los Angeles m'a contacté à propos d'une affaire de prostituée assassinée et mutilée. Je lui ai envoyé ce que j'avais, mais j'ai refusé d'aller là-bas. Je ne voulais pas perdre encore la femme que j'aimais. J'avais épousé Milena et nous vivions à Chicago. Mes affaires se résumaient de nouveau aux disparitions et aux adultères, et ça me suffisait. Et voilà, donc là je vous laisse lire... Vous mettez sur pause pour lire, hein. Et voilà. Allô? Salut ma puce, c'est moi. Eh, quoi de neuf? J'ai répondu au téléphone depuis ton bureau parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Bon, bref, je tombe sur un type, faclaf machin truc, enfin complètement hystérique, qui dit qu'il a entendu du bruit et un hurlement chez sa voisine. Je pensais que c'était peut-être important ou que tu saurais de quoi il parlait. Oui, t'as bien fait de me prévenir, merci. Oh, et tu as trouvé quelque chose dans les fichiers auxquels tu essayais d'accéder? Oui, pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais bon, ça m'a mis sur une nouvelle piste. Je vais aller à Los Angeles. À Los Angeles? Et pourquoi? Ça serait trop long de t'expliquer ça maintenant. Mais je te raconterai dès que j'en aurai l'occasion. Avant ton départ, j'espère. J'essaierai. En attendant, il faut que j'aille voir ce qui se passe sur le campus. Ok, ma puce. Sois prudente. T'inquiète, ça ira. Bye. Bon, par contre, on sait que l'ordinateur à l'arrière est équipé de Windows. Et donc là, nous dirigeons au campus, en espérant arriver à temps cette fois-ci. Encore une fois, cette musique stressante, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Mia ? Oh non. Mia ! Ah !
commissariat central, je vous écoute. Ici l'agent Victoria McPherson. J'ai besoin d'aide. Oui, madame. Communiquez-moi l'adresse ou le lieu, s'il vous plaît. Je suis à l'université. Je suis... Si Mia n'est pas là, c'est peut-être qu'elle est encore en vie. Collard n'a pas réussi. Eh, c'est le sac à main de Mia? Ça pourrait m'être utile. Où a-t-il emmené Mia? Réfléchis, Victoria, réfléchis. Les messages qu'il a laissés. Bien sûr, les tableaux! Bon, direction la galerie. Et nous avons... Là, nous avons une énigme, la dernière énigme du jeu. Et oui, nous sommes quasiment à la fin de ce magnifique pokefou. Enfin, de ce magnifique jeu, surtout. C'est un peu dommage. Bon, j'aurais un peu rushé, quand même, ce pokefou, hein, parce que là, je vous le dis, en un week-end, j'ai fait 5 vidéos. Et oui, j'ai fait toutes les vidéos quasiment en un week-end. J'étais tellement à fond dedans que forcément, bah je l'ai fait. Bah ça vaut mieux que de laisser des fois traîner pendant 107 ans. Donc là, non, l'ordinateur c'est après. Donc là l'énigme c'est, on regarde tous les tableaux. Enfin moi je sais quels tableaux sont importants, mais bon on les regarde tous. Robert avait sans doute raison. Peut-être qu'Ackerman avait un contact à l'extérieur. C'est ce que je vais essayer de trouver là-bas. Donc normalement, par tableau, il est possible de récupérer des mots-clés. Mots-clés qu'on introduira dans l'ordinateur. Celui-ci a déjà été copié par le tueur. C'était la quatrième victime, Nathalie Kenworth. Elle a été retrouvée dans les égouts. Et là, vous voyez, le mot « égout » a été ajouté. Le tueur a déjà représenté ce tableau. Pauvre Stéphanie. Donc là, rien de neuf. Des fois, il faut cliquer sur le tableau pour avoir le mot-clé. Je ne pense pas que notre tueur ait pris l'avion pour Prague. Mais bon, on a quand même rajouté Prague au mot. Lui est un tableau important, en fait. C'est une scène de meurtre et notre tueur ne l'a pas encore utilisé. Ça doit être le pont Charles. Voilà. Le pont Prague. Je reconnais Apollina, la victime. Le tueur n'a pas utilisé ce portrait. Ce drap rouge flottait sur l'eau à côté de son corps. On l'a trouvé au niveau du moulin. Donc ce lieu non plus n'a pas été copié. Qu'y a-t-il d'autre ? Un jour, Ackerman a dit à mon grand-père que c'était son chef-d'œuvre. Notre tueur n'a sans doute pas encore atteint le sommet de son art macabre. Donc là, rien. Sanctuaire perturbé. Nous avons déjà vu celui-là. Cynthia Woods, la cinquième victime. Donc là non plus, il n'y a rien à ajouter. Celui-ci, je crois que oui. Un autre de la série Chicago, ça ressemble au port. Donc là, celui-là, on a deux mots, carrément. Celui-là est tiré de la série Los Angeles d'Ackerman. Comme
Comme l'a dit Richard, ça doit être le médecin de Marc. Probablement de l'hôpital psychiatrique de Los Angeles. Un autre de la série Los Angeles. Il n'y a rien là-dedans qui soit en rapport avec Chicago. Et voilà. Donc maintenant, on va sur l'ordinateur. On se dépêche, Vic. Je peux utiliser l'ordinateur de Richard pour trouver un emplacement possible. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez différents mots qu'il faut additionner pour faire une recherche. Des mots-clés, un moteur de recherche, rien de plus simple. Et en fait, ben, par exemple, si je vous fais pont, moulin à eau et Prague, je fais la recherche, nous avons trois correspondances. Et en fait, il faut arriver jusqu'au moment où on n'en a plus qu'un. Donc, je vais vous épargner les recherches. Donc, il s'agit de pont, Chicago et Prague. Et donc là, nous n'avons plus qu'un seul point commun. Et c'est un pont qui a été bâti à Chicago. Et qui est en plus la réplique du pont Charles de Prague. C'est ça. Ça doit être ça. Et donc maintenant, rendons-nous sur ce pont et espérons qu'il ne soit pas trop tard. Et voilà qui met un terme à ce super jeu qui est Still Life. Eh oui, une fin où on reste sur notre fin en fait. Et c'était assez frustrant à l'époque parce que la suite ne tardait à sortir et il a fallu attendre maintenant 3 ou 4 ans pour avoir enfin le dénouement de cette histoire, mais traité d'une manière un peu bâclée, je trouve. Mais pour ça, il faudra attendre le Wokfu du 2, à moins que vous y ayez déjà joué. Mais sinon, ce sera peut-être un Wokfu que je ferai. Peut-être. On verra bien. Pour l'instant, j'ai plein d'idées en tête et ça va être dur de choisir. Et donc là-bas, vous avez encore quelques petites images pour savoir ce qui s'est passé après. Mia s'en est sortie.
Elle est vivante. Tant mieux. Au moins une. Et notre agent MacPherson, lui, par contre... Qu'est-elle devenue ? Ça, vous le saurez en regardant jusqu'à la fin de ce générique. Oui, ça va. Ils ont trouvé le corps ? Non, pas encore. Ils continuent à draguer la rivière et à envoyer des plongeurs. Putain. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je suis pour la fermeture. J'ai pris mes billets pour Los Angeles. Tu continues de croire que tu trouveras des réponses là-bas ? Tu l'as eu, ma puce, c'est fini. Pas pour moi. Je te laisse, Claire. Je vais me reposer un peu. Ok, je passerai te voir un peu plus tard. Ok, bye. Et donc voilà, nous sommes revenus à l'écran titre.
Et donc, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et à vous donner rendez-vous pour un prochain Wakfu. Bye bye. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.